Auxerre 14e reçoit Ajaccio 4e. Si les Auxerrois ne comptent que 5 points en 5 matchs, Jean-Marc Furlan relevait malgré tout l'investissement de ses troupes et la capacité à ne rien lâcher. En témoignent les deux derniers nuls à Guingamp et contre Clermont après avoir à chaque fois été menés au score. Là, ils ont envie d'être en action plutôt qu'en réaction. Les Iconais, la première opportunité, elle est pour Yanis Merji, lui qui a trouvé le chemin des filets ces derniers temps en sortant du banc. Il est dans le 11. Concocté par Jean-Marc Furlan et tout proche d'ouvrir le score après cette tête plongeante. 0 à 0 à la mi-temps. Auxerre a eu des occasions mais pêche dans la finition. A noter que Mickaël Le Bihan rejoindra la GIA très prochainement. 56e minute. Pénalty obtenu par Rémi Dugimon. L'ancien Clermontois va se faire justice et tromper Benjamin Leroy. Ça fait 1-0. Pour la GIA et c'est plutôt mérité tant les hommes de Jean-Marc Furlan avaient dominé les débats. La glissade de Dugimon mais le ballon est bien placé hors de portée de Benjamin Leroy. Par la suite Auxerre va accélérer avec ce petit ballon qui va arriver sur le côté, dans les pieds de Yanis Merji. On fait bien circuler le relais avec une frappe soudaine et bien placée surtout de la part d'Hamza Saki, le Marocain, qui ne laisse aucune chance à Benjamin Leroy. Hamza Saki qui avait été prêté la saison dernière à Sochaux. Ça n'avait pas été une grande réussite, mais là il est complètement retrouvé. Il a retrouvé toutes ses dispositions de technicien. Le Marocain Hamza Saki en témoigne ce petit pont et la passe décisive enchaînée pour Dejan Sorgic. Le Serbe venait de faire son entrée en jeu à la place de Yanis Merji, deuxième buteur du championnat suisse la saison dernière avec Thun. 15 buts pour Sorgic, voici son tout premier en Domino's Ligue 2 et ça fait surtout 3 buts à 0 pour l'AJ Auxerre. Qui se balade, les sourires sont sur le terrain, en tribune également. Attention tout de même à ne pas trop se relâcher. Ajaccio qui va essayer de réduire la marque. Ce sera chose faite avec la frappe du capitaine Mathieu Coutadeur, détournée par Souprayen et qui prend à contre-pied Mathieu Michel. 3 buts à 1. On va en rester là. Tous les buts ont été inscrits en deuxième période. Auxerre valide son bon comportement des dernières semaines par une victoire cette fois-ci. Deuxième revers pour l'ACA qui n'a pas eu les armes ce soir pour répondre au défi auxerrois.